Bon matin, j'espère que vous allez bien. Hello. Fait qu'on est déjà rendu vendredi le 22 novembre, puis je suis bien contente qu'on soit rendu vendredi. Il est 6h51, j'ai comme un petit bouton là. Fait que je me suis préparée, les enfants sont prêts, les lunchs sont prêtes. Moi je commence à 9h aujourd'hui, à Saint-Jérôme. Fait que je peux quand même partir un peu plus tard, ça fait du bien. Puis il fait vraiment comme... Il mouille pas en ce moment, mais il a mouillé, je pense, une bonne partie de la nuit. Mais genre dehors, les... Est-ce qu'on le voit dans la caméra? On voit pas bien. Mais il y a vraiment comme beaucoup de vagues, genre. Dans... Ben là, je peux pas appeler ça des vagues, là, mais de courant. De courant dans la rivière. C'est rare qu'il y ait autant de courant que ça. Donc, il y a beaucoup de vent, puis l'arbre aussi, elle bouge quand même pas mal. Fait que là... J'ai eu un message de l'école à Lisa comme quoi que son autobus est en retard de 15 à 20 minutes. Fait que la seule affaire qui est gossant avec ça, c'est que souvent, c'est comme pas précis. Fait que là, elle a pas le choix d'attendre l'autobus quand même puis de checker parce que sinon, si elle passe puis elle la manque, ben là, elle est en merde. Donc là, elle est partie dehors. J'avais dit d'attendre un peu, mais elle est partie dehors à attendre l'autobus. Puis, ce soir, Félix, il y a une... C'est une game, mon chéri? Ouais, une game de hockey. Je pense qu'elle est tard, hein? Ouais, à 7h. Fait qu'une game de hockey plus tard ce soir. Sinon, Ellie, a vraiment, ça a vraiment bien fonctionné son calendrier là avec les petits collants de Noël. Il a eu ses collants toutes les journées, puis sérieusement, ça fait vraiment améliorer son caractère. C'est plus facile dans la journée parce que... Je veux pas utiliser le collant comme une menace. Ben là, si tu fais pas ça, t'auras pas ton collant. Mais je fais juste rappeler, oublie pas Ellie, si tu vas avoir ton collant ce soir, faut que tu restes gentil toute la journée. Puis en tout cas, okay, je trouve que ça marche vraiment bien. Des fois, tu es à place de le répéter comme deux fois quelque chose. Je le dis une fois, puis après, à place de le répéter, j'ai dit, je rappelle qu'il va avoir un collant ce soir. Fait que c'est vraiment, ça fonctionne super bien. Fait qu'il reste un collant aujourd'hui à avoir, puis demain, il va avoir sa surprise. Si, c'est... Il reste deux collants? Oui. Mais maman, a dit qu'aujourd'hui, c'est ton dernier collant. Non, tu veux avoir un autre? Parce que maman, elle pense que tu peux avoir une surprise demain, si t'as un collant ce soir. Va le chercher, il est sur mon bureau dans ma chambre. Là, il est en train de dessiner son dessin de police. Comme ça. Puis je vous étais pas revenue sur le vidéo de Félix qu'il avait fait pour son entrée au secondaire. Je l'ai envoyé, puis il est vraiment hot, la vidéo. Moi, en tout cas, je pense qu'il va être choisi avec ça. Mais... Félix, il veut pas que je le mette sur YouTube, fait que je vais pas vous le montrer, mais je pense que ça va être un bon vidéo. Alors, c'est ça, fait qu'Élie nous apporte son calendrier. Ouais, mais maman, regarde, fait qu'on a ce calendrier-là, là, tout le mois est effacé, puis les jours, là, mais ça, c'est pas grave. Regarde, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est un collant vendredi. Tu peux avoir une surprise ici. Parce que c'est la fin de semaine. Maman veut que tu aies des collants toute la semaine. Ah. Es-tu content? Oui. Que tu vas faire une belle journée aussi aujourd'hui? Oui. Oui? Oui. Fait que ça marche vraiment bien. Puis en plus, il traîne. Puis c'est comme à lui. Puis en plus, il a décidé qu'il faisait des dessins dessus. Fait qu'il fait des dessins. Il fait tout. Fait que ça marche vraiment bien. Comme ça. Si tu dessines avec ce crayon-là, ça va passer à travers puis tu verras plus ton police. Tu devrais continuer avec lui, c'est très beau avec lui. Attends, non, fais pas ça, regarde ici. Fais-le sur lui. Il veut utiliser les crayons de feutre, mais ça passe à travers son dessin. Regarde, c'est trop foncé. Ça fonctionnera pas, Ellie. Continue avec... Non! Continue avec lui, tu vas voir. Là, tu vas le briser comme le crayon gris d'hier. Donc voilà, fait que je vais prendre mon café. Regardez ma tasse, comment elle est belle! Dessiner partout sur la police. Non, continue à faire ton dessin ici. Ok. Donc on se parle plus tard. Regardez. C'est rare que comme on voit genre le courant comme ça. Mais c'est vraiment beau. Non, il est!
Lily aime pas ça quand il fait pas beau. Salut! Fait que je suis dans mon auto, c'est l'heure du dîner. T'as regardé ce que j'ai pris le temps d'apporter ce matin? Ma petite doudou! Fait que depuis tout à l'heure, j'étais assise avec ma doudou dans mon auto puis j'écoute une petite émission. Moi, l'heure de dîner, là, quand que justement j'ai une heure de dîner, parce que c'est rare les compagnies que... Ben, c'est pas rare. Excuse-moi. Parce que, mettons, on veut travailler dans les entreprises, c'est pas tout le monde qui comprend qu'on est... ben, ils comprennent, mais je veux dire qu'ils réalisent qu'on est des humains et qu'on a le droit d'aller manger, tu sais. Fait qu'ils nous font notre horaire, puis là, ils nous mettent pas de temps de repas. Fait que dans ce temps-là, on mange dans l'auto, sur les lieux, puis si on a le temps, parce que si, mettons, je m'en vais faire des vaccins, puis j'ai pas de temps de dîner, ben oublie ça, là, j'ai pas vraiment le temps de faire des vaccins puis manger en même temps, ça marche pas. Mais la plupart des endroits nous arrêtent pendant une heure, fait qu'on a le temps de sortir. Puis moi, j'aime vraiment ça parce que ça me permet d'aller relaxer dans mon char. J'écoute des petites émissions. Je prends vraiment ce temps-là pour moi, puis ça fait du bien. Là, j'ai été au dépanneur, puis je suis pas fière de moi, là. On est dans notre première semaine qu'on mange mieux. Je pense qu'on a fait vraiment des belles améliorations, sérieusement. Moi, j'ai arrêté de mettre du sucre dans mon café. Dans le fond, depuis toujours, j'ai toujours mis beaucoup de sucre dans mon café. 3 cuillères de sucre. Puis 3 cuillères, là. À un moment donné, j'ai commencé à diminuer, j'en ai mis 2. Puis quand j'en mettais 2, j'étais comme bof, je pourrais peut-être en mettre juste 1. Et après ça, j'y étais avec 1. Puis là, en fin de semaine passée, j'ai fait comme ok, ça y est, j'en mets plus dans mon café. Puis mon café goûte meilleur. J'aurais jamais pensé ça, dire ça un jour. Là. Avant, je prenais une gorgée de café, pas de sucre. Mettons que mon chum faisait les 2 cafés, lui qui prend pas de sucre, puis moi, j'étais comme, oh my god, c'est dégueulasse, c'était comme amer. Puis là, sérieusement, je bois plus mon café quand que je le bois sans sucre que quand je buvais avec sucre. Je laissais tout le temps du café dans ma tasse. Fait que c'est franchement bizarre. Puis sinon, on a vraiment comme diminué les collations cochonneries le soir en écoutant la télévision. Fait qu'on mange comme on essaie de manger des portions plus petites, puis moins de cochonneries. Puis ça marche vraiment bien. Mais là, ce midi, j'ai mangé mon... Ben, puis aussi, c'est vrai, faut quand même que je dise tous les efforts que je fais. Je m'emmène beaucoup plus de repas de repas complets qu'avant. Mettons, comme habituellement, là, je peux manger comme 2 fois au moins par semaine au restaurant. Cette semaine, j'ai pas mangé de... Ben, j'ai mangé du restaurant, mais c'est ma belle-mère qui me l'a apporté. J'ai mangé un pokéball, mais un petit peu de riz, de la salade, des légumes, puis de la mayonnaise épicée. C'est pas parfait, mais bon. Sinon, sur l'heure du dîner, j'ai mangé des repas de la veille. Comme ce midi, j'ai mangé mon petit riz avec la viande, c'était fucking bon. Fait que c'est ça, je fais quand même des meilleurs choix, je trouve. Mais là, c'est ça. Ce midi, j'ai mangé mon petit riz avec ma viande, puis j'avais encore faim, là. Puis là, il reste encore du temps d'attendre dans l'auto, puis genre, de toute façon, j'ai voulu manger des cochonneries. Fait que j'ai été m'acheter beaucoup de cochonneries. Ben, beaucoup. J'ai voulu m'acheter un sac de chips sel marin et vinaigre de Malte. Puis là, j'ai caché les bonbons parce que là, j'arrête pas de les manger. Les Sour Patch au raisin. C'est tellement bon. Mais parce que l'affaire, c'est que si j'en mange trop, là, j'ai pas de fond, genre. Fait que voilà. Puis là, j'avais envie de vous parler de quelque chose. Voilà, peut-être... Ben, j'ai reçu un courriel au mois d'octobre, mais je l'ai vu, voilà, comme pas si longtemps que ça, pour une collaboration. Puis là, je l'ai vu récemment, puis là, j'étais comme... Bof. Parce que j'ai déjà reçu une demande de collaboration pour des produits comme de crème puis des soins de la peau. Mais à moins que ça soit quelque chose de vraiment comme populaire, que j'ai confiance, j'ai pas envie de comme me mettre des crèmes que je connais pas dans le visage. Puis de toute façon, je me mets une crème le matin, puis c'est tout, là. Fait que j'avais comme pas répondu au courriel. Puis là, c'est ça, j'ai vu un courriel, puis c'était comme une collaboration pour des bijoux. Puis au début, j'ai comme pas porté attention. Puis après ça, j'ai fait comme « Ah, oh, ben crime, je connais ça. » Donc, je leur ai écrit. Puis, ben, j'ai accepté de collaborer avec eux. Parce que je me dis « Coudon, j'ai regardé sur leur site internet. » Puis là, il y avait plusieurs bijoux. Puis j'en ai parlé l'autre fois que je voulais peut-être mettre des nouveaux bijoux pour mon party Noël avec ma robe. Puis je me suis dit « Crime, je vais recevoir des bijoux, genre ça va être parfait. Je vais pouvoir les mettre à Noël. » Donc, j'ai dit oui.
Mais là, ça me stresse là, à un point. Là. Je ne sais pas pourquoi ça me stresse de même. Mais dans le fond, parce que là, c'est comme, dans le fond, c'est un échange de services. Eux, ils me donnent des bijoux. Moi, je leur promouvois leurs bijoux. Encore là, je me sens fucking imposteur parce que sur YouTube, c'est une collaboration avec YouTube. J'ai quoi, 1080 abonnés? Genre, moi, je suis vraiment fière de ça, là. Mais eux, ils s'en rendent compte que j'ai juste 1080 abonnés. Je sais pas. Je sais pas. Mais je vais tout faire mon possible pour que ça soit beau, puis que ça soit parfait, puis tout ça. Mais je me sens comme redevable envers eux. Puis là, j'ai peur que ça sert à rien qu'ils m'aient donné ça, et tout ça, et tout ça. Fait que c'est ça. Ça me stresse beaucoup. Puis aussi, j'ai peur que là, les gens qui m'écoutent font comme, bon, ça y est. Mais ça y est pas, parce que je veux dire, c'est ça, je comprends même pas comment ça qu'à si peu d'abonnés, on m'offre une collaboration. Puis, c'est quand même des choses que j'ai vues sur d'autres chaînes YouTube. Fait que j'étais comme super contente, mais en même temps, c'est ça. Je me sens redevable envers eux, puis j'ai peur que ça leur donne pas assez de visibilité, etc. etc. Fait que ça va être super, là. Je vais vous montrer ça dans une vidéo en début décembre. Fait que si ça vous intéresse, ben. Surveiller ça. Mais c'est ça. Ça me stresse quand même beaucoup. Ça me stresse beaucoup. Je devrais juste voir ça positif, mais je sais pas pourquoi que ça me stresse comme ça. Genre, j'aime pas ça de voir quelque chose à quelqu'un, puis là, j'ai l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un. Parce que là, j'ai les bijoux. Fait que faut que je le fasse, puis faut que. Tu sais, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Fait que vous me diriez qu'est-ce que vous en pensez. Sinon, c'est ça. Fait que là, il reste pas beaucoup de temps. Je vais aller retourner à l'intérieur. J'ai plus une grosse après-midi que j'avais une avant-midi, mettons. Alors, j'espère juste que ça va rouler parce que j'ai hâte de revenir chez moi. Je suis fatiguée, sérieusement. En même temps, j'étais fatiguée. J'étais comme, oh, faites que la semaine finisse au plus vite. Puis, demain matin, on va partir tôt pour Alma. On va vous emmener avec nous. Alors, c'est ça. Fait qu'on s'en reparle tantôt. Bon, fait qu'il est 7h46. Et finalement, la soirée, entre Félix, il y avait une game d'hockey, mais genre, je suis arrivée, puis c'était presque l'heure qu'il part, fait que j'ai soupé, puis j'ai été faire une sieste. Dani est partie avec les gars à l'aréna. L'aréna, c'est pas elle qu'on va habituellement, c'est un petit peu plus loin. Fait qu'ils vont sûrement arriver vers, je pense que la game était à 7h. Ils vont peut-être arriver vers les 8h, d'après moi. J'ai tout ce linge-là à plier. Le linge s'accumule depuis cette semaine, fait que là je vais faire ça en écoutant une petite émission, essayer de ramasser le plus possible parce que demain matin on va partir tôt, parce que c'est quand même 4h45 de route à aller voir Anthony, puis sa blonde aussi elle vient avec nous, fait qu'elle va venir nous rejoindre demain matin. Alissa elle est chez son amie pour la fin de semaine, puis c'est ça. Fait qu'on va faire comme... demain matin, on va partir. On va arriver là comme vers après le dîner. Puis le soir, on va aller se au restaurant. On va aussi aller sûrement dans la journée aller trouver une petite surprise pour Félix puis Ellie. Parce que Félix pour son bulletin. Puis Ellie pour sa belle semaine. C'est gênant. C'était le messager de ma job. Parce que les tests que j'ai faits tantôt, d'habitude, ils viennent les chercher au travail. Mais il n'y avait pas de messager qui pouvait venir comme en même temps. Fait qu'ils sont venus chercher ici à la maison. Mais sûrement qu'elle m'a vu filmer dans la fenêtre quand elle est passée. C'est malaisant. Mais bon. Fait que ce que je disais, c'est que ouais, j'essaie de faire. Je sais pas si c'est ce que je disais. J'essaie de ramasser le plus possible parce que veux pas demain, on n'aura pas beaucoup de temps pour. Bon, on n'aura pas de temps pour tout demain pour faire du ménage. Puis j'ai vraiment beaucoup de linge accumulé. Fait que j'ai plié ça. Puis après ça, ben les gars, il faut sûrement arriver sous peu. On a mangé du spaghetti ce soir. Puis c'est ça. Donc voilà, fait que je vais vous laisser. Puis on se revoit demain à Alma. Bye!